mes enfants, je vous en supplie. C'est un secret. Un secret? Ne dites à personne que je fabrique des masques, s'il vous plaît. Vous essayez de faire des masques qui font peur? Oui, ils sont pas très réussis. Vous voulez faire des masques effrayants de vous, si j'ai bien compris? Parce que vous voulez faire peur aux gens. Exactement comme quand vous prenez une grosse voix, c'est bien ça? Bah oui, un ogre, ça doit faire peur, pas vrai? Je voudrais mettre des masques dehors, au-dessus de ma porte, pour effrayer les passants. Mais j'arrive pas à en faire d'aussi affreux que ceux de mes livres. Vos masques ne sont pas si mal, vous savez. Oui, enfin, dans leur genre, quoi. Non, ils sont vraiment nuls. Je le sais bien. En plus, je vous fais même pas peur. Moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est décorer, tricoter et faire des tartes aux légumes. Oui, parce qu'en réalité, je suis végétarien. Non. Oh, je suis vraiment nul comme ogre. Ah, mais alors, vous ne mangez pas d'enfants? Ah oui, excellente nouvelle. Continuez comme ça. Ouvrez tout de suite, c'est le carabinier. Les enfants, si vous gardez le secret, je ne dirai pas à vos parents que vous êtes rentrés chez moi sans permission. D'accord? D'accord, on dira pas que vous êtes gentils. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, je cherche Pinocchio et Volpec, ils sont bien chez vous. Oui, ils allaient justement partir. Vous savez désormais ce qu'il en coûte de perturber ma tranquillité. Maintenant, filez! Et que je ne vous revois plus rôder dans le coin, sinon... Promis, juré, monsieur l'ogre, plus jamais. Tout va bien, les garçons? Oui, merci, monsieur le carabinier. Alors, il s'est passé quoi? Tu devineras jamais. Merci, Pinocchio. Vous savez, c'est dommage que quelqu'un d'aussi gentil que vous cherche à avoir l'air méchant. C'est parce que je suis un ogre. Bétula, Lumignon et leur mère aussi. Pourtant, ils sont très gentils. Personne ne se moque d'eux et tout le monde les aime. Oh, merci beaucoup pour ton aide, Pinocchio. T'as raison, Pinocchio. À partir de maintenant, j'arrête de jouer à l'ogre méchant. Bonne nouvelle, parce que je ne suis pas très douée pour garder les secrets.